L'autre recommandation, nous croyons qu'il faut que tu aies un seul monde dans le cartel là, municipal, oui. Pour gérer Mério, au lieu de trois personnes qui ont géré, parce que nous croyons que ça fait problème dans la gestion. C'est clair. Et ça, c'est un élément de réponse que m'a porté pour moun qui dit que la constitution n'a pas de problème, c'est système-là avec moun, ah, pardon, c'est peut-être société, la culture là, et qui a un problème. Au fond, c'est pas dans le traité d'application de la constitution, on doit réaliser tout problème qu'elle gagne. Cartel magistrat, c'est un exemple très simple. Trois maires élus, dans la plupart des communes, ils n'ont pas jamais fini mandat dans la l'harmonie. Non, toujours un problème, il y a un chiripit, et puis mairie fermée. Qui problème qui vient gagner? Qui est-ce qui paye pour casser? C'est la population. C'est-à-dire, les gens qui ont voté cartel, qui n'ont pas de service pour nous. Donc, c'est un problème que nous. Nous estimons qu'il faut gagner un maire élu. Maintenant, collectivité a un problème. C'est un acquis de la Constitution de 1987. Nous avons un dilemme, c'est Gignon Lendo. Comment nous sommes capables de conserver les acquis de la Constitution de 1987, c'est-à-dire la décentralisation, les collectivités et l'idée pour faire développement à partir des mairies, à partir des CASEC, à partir des AZEC, des délégués de ville, cette structure qui permet de sortir de la République de Port-au-Prince. Mais qui s'en réalise, c'est qu'au fond, c'est seulement théoriquement que décentralisation fait. C'est seulement théoriquement que collectivités existent. Il n'y a pas de moyens. Il y a pour compte, il n'y a pas encadré, il n'y a pas de contrôle. On a zèk pas même bon bourri pour le traverser on passe l'eau pour la regarder ça qui a passé dans une section communale ou bien on la cou ou bien habitation. Nous même ça nous dit nous allons simplifier le système là. N'a kembe a ki yo, n'a gen yon azèk au lieu de trois, pardon, yon kazèk au lieu de trois, et chaque kazèk pour siéger dans sa nouvelle assemblée municipale avec le maire. Ça fait que nous allons assemblée municipale qui gagne la donne des représentants des différentes sections qui ont même pour porter une revendication section. Nous pensons que c'est système ça puis bon. Et très important, nous dit tout. Affaire pour toute corps qui génère par la douane, par les GI, c'est dans Port-au-Prince pour le dépenser, pour la population Port-au-Prince, pour le monde Port-au-Prince, et puis pour le département de l'Ouest seulement, nous ne pas appeler ça. Nous disons qu'il faut gagner au moins 15% du budget national qui allait aux collectivités. Et ça aussi, Serginho Lendo, c'est un grand acquis, c'est une grande proposition. C'est une parmi gros tonton proposition que nous fait dans la commission spéciale sur l'amendement constitution, qui garde la constitution, qui a un problème et qui offre le pays à une autre route pour l'aller. Question de politique. Mais le problème, ça a toujours répété, et là, ça veut dire que même si c'est seul monde qui l'a, le résultat, la chasse que la privée joue, si ce n'est pas l'information politique que nous avons gardé, comment tu as renforcé, bah, où j'arrête, pour que les choisi moun kounia qui parle dans l'élection, c'est des mouns effectivement qui comptent ça au bras le faire et qui ont cet ancrage dans une structure politique. Ou bien raison. Et en fait, parti politique, tu as doué, on est capable de dire à la base de la démocratie que nous voulons construire. Parce que yo, je dis à fragiliser, yo appauvri, yo pas existant et surtout, yo pas de crédibilité. Parce que jeunesse là, ouais. Qui ont été perdus. Société ouais, qui est en questionnement, c'est parce que en dans off politique qui vient dans le pays, il n'y a pas reconnaître. Donc, parti politique, il y a un effort pour le faire, pour renouveler tête, tout, pour aspect générationnel. Il faut qu'un jeune garçon, jeune femme, qui entre dans le parti, qui gourmet dans le parti, qui impose dans le parti, et qui change, on est capable de dire, le cours des choses et la perception qu'il y a de le parti. Nous-mêmes, nous pour que les partis politiques jouent un rôle extrêmement important. C'est pour ça que Sordia est important. Mais pas seulement valable pour magistrats, c'est pour les partis politiques qui sont plus clairvoyants, qui sont plus capables de jouer tactiquement intelligents, pour choisir des personnalités qui sont capables de servir le pays efficacement, pas seulement au niveau des communes. Même toujours dit, vous n'avez pas de problème avec le Parlement comme institution, qui l'a pour le veiller pour vous, ou pas de problème avec un parlementaire. Parce que le parfait, ça le coûte de le faire. Parce que les bâillons ont l'impression qu'il est le descend en bas, là, gérer le problème. Pas le pas gérer le problème pays. Nous n'avons pas dit c'est tout qui compte ça. Mais ça, comme ça, vient ensemble, parlement, il y a une mauvaise perception. D'où aujourd'hui la nécessité pour que vous votez les gains élections. L'on pas voter pour capable bien, dans le langage français, vous dites ça, le droit de gueule. C'est-à-dire droit pour parler, droit pour dire ça quoi fort plaisir. Et nous faisons appel à tout le monde qui attend de nous là. Nous avons un an des élections, pour avoir une élection législative, eh bien, mobilisez-nous, posez question.
qui ça fait nous mal, comment nous est pays, et puis on va choisir en fonction de qui est sous capable de bien répondre à la revendication. Là maintenant, je fais un professeur Alain Gilles, professeur de méthodologie, je fais un confiscal, je fais pour l'université de l'État à tout. Je l'ai dit dernièrement, là, je dis, bon, la paille de parti politique pour lui-même. Là, ça n'a pas existé. Parti politique. Oui. En Haïti alors. En Haïti. Parce que lui croit que nous si on contre un leader politique, ou d'avant peut-être ça c'est une philosophie par rapport à partir là, est-ce qu'on est de son idéologie, est-ce qu'on s'était un crash par rapport à la société, il croit que bah, ça il faut aller plus loin dans la réflexion. Les guérisons et moi plus loin avant moi-même démissionné dans la plateforme politique vérité. Pour qui ça? C'est la plateforme politique vérité acceptée pour recevoir l'argent dans le cadre programme d'aide aux partis politiques que le gouvernement qui l'a mis en place. Ce n'est pas que son mauvaise idée, mais ça moi-même moi dit aujourd'hui, j'ai un parti politique ça a eu aujourd'hui, pour prendre à peu près équivalent à $1 million, pour bailler 58 partis politiques chaque mois, nous payons tellement de problèmes, je pense que c'est une mauvaise utilisation des fonds publics qui déjà très rare. Qui ça nous dit? Nous dit que 58 partis politiques ça, qui recevront comme là, ne peuvent pas moderniser parce qu'ils ne sont pas organisés. En pile là-dedans, il n'y a pas de pignon sur rue. En pile là-dedans, il n'y a pas de local. En pile là-dedans, il n'y a pas même 300 membres inscrits. En pile là-dedans, c'est 2-3 personnes qui ont coupé raché à la tête, qui ont coupé là. Depuis en l'air, le coup là, pas descendre pour organiser, pour structurer parti. Pour tout son point important, c'est Gignon Ledo. Moi, je pense que si au monde voulait construire la démocratie en Haïti, en parallèle à changement de constitution, faut que tu aies une réflexion faite pour comment le Dakar favoriser l'émergence de 4 à 5 grandes tendances politiques sur une base idéologique, de telle sorte que lorsque Haïtiens et Haïtiennes vont faire choix, il y a 3 ou 4 options devant eux, il n'y a pas qu'un peu choisir entre 50, 60, 70 candidats, 50, 60, 70 projets de société. La recommandation, tout, nous avons passé délégué Villa. Délégué Villa, alors ça nous fait, c'est que à chaque fois que nous parvenons au consensus entre toutes 9 membres de commission, nous faisons le choix d'une option qui est celle qui est majoritaire dans la commission et nous quittons l'autre option pour réflexion. Exemple, pour délégué de Villa, il y a certains députés qui estiment que délégué de Villa, Fon Kebeo, pour représenter Villa dans l'Assemblée municipale, il y a qui estiment que le pas nécessaire n'a qu'un seulement un casque en bas. Assemblée municipale là qui pour représenter section communale. Donc nous mettons comme un sujet que nous pourrons débattre. Même bagaille pour question député maire. L'Association nationale des maires que nous avons rencontré avec un peu le secteur dit nous estimons que comme le député est de facto un maire dans sa commune, puisque pour se faire élire dans tout projet de développement, tout notre agent de développement, pourquoi ne pas venir avec le concept du député maire? Eh bien, commission a été fondée deux sous question ça. Il y a un monde qui était d'accord, mais il y a l'autre monde tout au courant de penser qui dit à nécessité de proximité à la population qui pour demander le rété dans la commune. Est-ce que ça va pas créer un plus grand absentéisme au niveau du Parlement qui parle d'un problème qui déjà existe aujourd'hui? C'est pour ça d'ailleurs que nous demandons tout dans la recommandation pour nous baisser le quorum. Aujourd'hui, on a besoin de 60 députés pour voter en loi, pour gagner le quorum. Eh bien, zone juillet août comme ça, où on a cherché 20-25 députés sur la cour, pas qu'à joindre. Pour deux raisons. D'abord, député, c'est un citoyen même genre tout le monde, c'est période vacances, peut-être c'est laisser la petite qui en vacances, qui est capable peut-être de monter vacances à madame ni en province, et puis en même temps, c'est fait patronal. Donc ça veut dire que il n'est pas là. Donc, il faut nous capables de vivre en situation côté nous demander de descendre quorum là à un tiers. Avec 40 députés, nous faisons pour nous capables de voter parce que nous avons des lois captain. En même temps, tout c'est Gignon Ledo. Nous demandons de changer session, période de session législative. Là. Nous pas capables de faire session en juillet, en août. Là, nous connaissons que le difficile pour rassembler, quel que soit mon nom, nos périodes, qui s'est annulée la période estivale. Donc, nous demandons que période ça, son période de vacances pour tout le pays, y compris Gilles, pour nous pousser, disons, entre août et décembre, entre septembre et décembre, d'arabe de la deuxième session législative pendant l'année législative. Ça pourrait permettre nous améliorer l'efficacité parlementaire. Nous n'avons pas trop de vacances, tout, vous pouvez regarder ça? Moi-même, personnellement, je pense que nous avons fait 3 sessions législatives. C'était position en commission. Cependant, nous estimons que si nous baissons le quorum, là,
enfin, pas nous estimer, majorité en la commission estime que si nous baissons le quorum, et bien si nous changeons, disons, période de session législative, là, nous avons une meilleure efficacité, ça nous va obliger à ajouter sur le temps de travail. Question de décharge, là, tout le monde nous aborde, je dis à son clé coup, ça y est, bon, puis nous servons l'État, nous finissons servir l'État, et puis en bas, aucun bénégo, M. Dabio, parle de bas aux décharges, et parfois c'est des motivations politiques. Il y a des maturins et qui mourent, ça n'a rien de charge. Henri Bazin, il y a un plus gros ministre de l'économie et des finances qu'on a, et un homme intègre, que tout le monde d'accord sur lui. Toute société avait été mais il mourit, il va gagner des charges. Ça passe, ça nous propose dans ça. Eh bien, proposition nous très claire. Nous demandons retirer des charges en nommé Parlement, mettez-le dans le cours supérieur des comptes et du contentieux administratif. Pour qui ça? Question que c'est Parlement qui a baillé des charges, son problème pour Parlement d'ailleurs. Si nous avons un déficit d'image, jodi en dans société, c'est aussi en raison du fait que tout le monde ouais dans jouet ça que en dans parlement yo servi à décharge pour qu'un bon citoyen de yo et qui sont fait son système qui là système dans c'est que bon citoyen qui t'est servi pays qui expérimenté qui gain compétence et qui pas gain droit long et ben citoyen ça yo qui était peut-être ministre dans le gouvernement, tu es retourné, il est bloqué. C'est-à-dire son bonne belle tête, son bon monde qui travaille pour quitter dehors. Mais puis, red, c'est génial. Et ça, deux, il pas de jambes ministre qui t'a aimé entrer, mais qui peut. Parce qu'il connaît les entrées, il n'y a pas besoin de décharge, et il n'y a pas de décharge, ou perd du droit comme haïtien. Et bien sous hypothèque. Tout bien sous hypothèque, ou bien on a voulu vendre un petit mot sur le ou bien un petit mot sur terre, ou bien, ou pas même déposer le caille notaire pour signer. Donc, au bon système en Haïti qui kebe otage les compétences et les compétents, et puis qui permettent peut-être que son série d'affaires, monde qui n'a pas rien pour perdre, qui varie sous l'État, qui varie sous pouvoir, qui varie sous politique, et puis qui rentre et qui au lieu de servir peuple, de servir tête, qui mette dans tout problème que nous vivons là aujourd'hui. Alors là, dans le cas ça, nous dit, intéressé à capable de produire demande de décharge, à construire des comptes, qui dispose d'un délai de 6 mois pour produire un délai ça, intéressé à bénéficier automatiquement des charges, non? Mais ça nous dit que retirer le Parlement, voyez le cours supérieur des comptes, c'est déjà un grand acquis, mais nous ne pouvons pas camper là. Un, fond by cours des comptes là. Il y a une possibilité pour le gain moyen technique, logistique, financier pour être capable de traiter le dossier. Équitablement, sérieusement, ça c'est une. Et deuxièmement, tout fond ballon pinga tout dans le cours des comptes. Parce que si tu as une manipulation politique du côté du Parlement, le cap est au niveau de la cour des comptes. Il faut gagner un délai. Un délai de temps dans lequel il faut décider si moun là. T'es fait ça pas ça ou bien si moun là t'es bien géré s'il t'es fait ça pas ça nous va le juger Maril n'a pas arrêté cependant s'il pas de foyer n'a pas remettre li droit li comme citoyen que le gagnoir pour l'exercer fonction sans le pas gagner n'a capable jou et on épée de Damoclès et qui sous tête nous pense que ça extrêmement important c'est une recommandation que nous fait qui plus important parce que nous te promettre ça c'est Gignon Lendo nous te dit que commission ça pas fait ou couche. Nous te disons qu'il y a un rapport qui n'a pas de force côté. En plus, le monde te douté de capacité. Nous dit, ah, un de Parlement, il n'y a pas de rien qui va retirer sous pouvoir. Eh bien, nous montrer aujourd'hui, c'est le contraire. Rapport ça que nous sortit, rééquilibrer le pouvoir, vous remettez le Parlement à leur place, vous montrez que le problème est et vous n'avez pas perdu. Les problèmes là, c'est un département sorti. L'autre bas encore, et qu'on est relevé, député Tardieu, c'est nous qui tête nous décharge. Par exemple, là, on était président de la chambre députée, question, nous réunir, une baille tête nous décharge, et puis nous avançons pendant que nous bloquons des gens qui t'ont servi l'État, qui peut-être bien géré, qui t'a même tourné dans l'État, ou bien que vous voulez continuer l'activité, pas capable. Est-ce que là, nous gardons aspect ça tout dans la recommandation de nous? Définitivement, et nous demandons que aspect ça nous traiter différemment. Puisque, au fond, un comptable des deniers publics, qu'il soit parlementaire ou qu'il soit d'exécutif, il doit être traité de la même façon. Donc il faudra le gérer, il faudra le contrôler, gestion dit, à travers une institution préposée à cet effet qui doit être la Cour des comptes. On avance avec étape pour amender la Constitution. Nous demandons pour que nous allégions le processus là. Ça veut dire qui ça exactement? Ça veut dire que le processus qu'il a, il n'est pas bon. Il n'est pas bon parce qu'il est trop long. René Breval te dit, le monde qui a fait la Constitution en 1987, il a fini de faire la Constitution. Yo prend Cléa, yo mette l'on la moi, yo jete la moi dans la main. Qui ça, il te veut dire? Il te veut dire que clé pour changer la constitution va exister. Et en fait, son façon il te fait pour te expliquer que bon problème dans amender la constitution. Si je dis à ou besoin de changer en virgule dans la constitution, ça va prendre jusqu'à 8 ans, 9 ans pour capable faire. Nous-mêmes nous dit qu'à l'intérieur d'une même session législative, il faut être capable de faire des dispositions
qui pour faire que amendement possible sans pas obliger tant tout temps ça son proposition que nous fait. Alors ça veut dire que pas besoin de dernière année pour que nous fait déclaration d'amendement et pour que c'est l'autre législature qui travaille sur lui. Correct, parce que une mission nous s'agit une loi, c'est qui ça, c'est garder qui problème qui est dans la constitution et puis garder qui ça nous a fait pour nous changer pour nous résoudre problème et toute disposition que nous prenons ou après c'est des bagages qui pour alléger constitution qui pour faciliter gouvernance qui pour permettre payer à une administration publique qui plus facile qui pour refonder l'État qui pour refonder nation, c'est travail nous ça et nous très fiers parce que nous estimons que sous base proposition que nous faisons là nous proposons l'autre régime on l'autre système on l'autre façon pour bailler au fait pour payer à nos souffles. Trois sénateurs par département là nous gagnons député pour circonscription seul. Est-ce que nous gardons des questions ça que qui la République qui est trop problème pour la payer tout monde ça yo? Eh bien ça qui vient de passer c'est que tu as une discussion sur question justement du parlement. Nous tombons d'accord sur yon bagay par exemple. Nous disons ça que de toute façon, il faut gagner le Parlement. Un. Deuxièmement, on a fait élection tous les 5 ans pour tout le monde. Députés, sénateurs, magistrats, présidents. Donc, on sait l'élection, la coûte est moins cher. Et puis, moins question pour gagner l'élection toute la journée. L'obé, discussion, et puis la fin du pays, la instabilité. Et continue, pas bon pour le pays, pas bon pour le développement, pas bon pour l'économie. Donc, ça, c'est un bagage que nous tombons d'accord sur lui. Ça que nous ne pas tomber d'accord sur lui, c'est peut-être quel type de Parlement. Nous d'accord sur le mandat, mais quel type de parlement? Il y a des députés dans la commission qui estiment que nous avons besoin d'un parlement monocaméral, donc on chambre des représentants, donc on déconne dans le temps. Il y a un qui estime que Jean-Bayo est là, il est très bien, pas aucun problème. On député par circonscription et 3 sénateurs par département. Il y a même pensé qu'il faut gagner plus de circonscription et puisque il y a des demandes en ce sens. Troisièmement, il y a un groupe qui dit n'a pas de chambre des députés avec le Sénat, mais il y a une asymétrie qui gagne des responsabilités entre les uns et les autres. Ça veut dire que il y a trop avantages au niveau du Sénat, c'est pour nous rééquilibrer pour gagner quelques prérogatives qui viennent dans la Chambre des députés. Tout. Et puis, mon quatrième courant de pensée qui dit qu'il faut une réduction du nombre des parlementaires. Et courant de pensée, ça, c'est qu'il faut que tu gagnes un député par arrondissement et puis un sénateur par département. Comme nous n'avons pas réussi à entendre nous, puisque nous avons décidé que c'est à l'unanimité que nous avons pris la décision, et bien nous décidons de mettre 4 options ça, sur la table et puis nous dit que nous allons discuter avec le sénateur, nous allons discuter avec la société civile, puisque faut qu'on ait c'est Jimmy Lenlo que travaille là pour qu'on finisse. Son fait tout reste mon pour nous venir à un produit fini pour que nous parions à entre juin et septembre 2019 pour nous payer en constitution bien en figure. Là encore, puisque nous sommes dans tout été, et si il y a conflit entre deux corps, après deux navettes, il y a un projet de proposition de loi, c'est décision de député qui avait posé, c'est ça? Nous pensons ça. Pour qui ça? Pour une raison très simple. Et bon côté privé dans toute soif fait dans la vie, il faut trancher. L'autre est pour t'inviter là, nous avons deux choix. Nous avons plusieurs radios, plusieurs lois. Que sont propositions de loi ou bon projet de loi qui a fait navette éternellement. Des fois de législature en législature, il y a des projets, il y a des propositions de loi qui là depuis sont importants et nous avons bien. Nous avons une commission chambre députée, le Sénat a voué bien. Mais c'est le Sénat comme l'Assemblée des sages. Vous ne savez pas les trancher. Est-ce qu'on pense que c'est l'Assemblée des sages vraiment? Ah, moi, pas convaincu. Vous avez le secret, pas convaincu. On peut confirmer ça, vous, les députés. Nous ne pensons pas qu'il y a plus de sagesse dans le Sénat que dans la Chambre des députés, bien que c'est à louer ça que le travail. Parce qu'on est conseil de pays, le Sénat, d'ailleurs pour le sénateur, il faut qu'on ait un certain âge. Et vous avez l'honorable, c'est parce qu'on a une certaine sagesse, une sérénité, une expérience. Et ce n'est pas sous base ça que nous faisons choix ça. Nous disons c'est sous base peut-être la proximité des députés aux différentes communes. Lorsqu'on est sénateur, il y a un département, il est extrêmement difficile pour proche commune. Mais lorsqu'on est député, ou une circonscription qui a une circonférence géométrique et géographique limitée ou plus proche population, donc peut-être ou plus sensible à revendication. Donc c'est sous base ça que nous fait choix ça. Mais ceci reste totalement ouvert, puisque au fond, pour avoir d'autres discussions pour nous arriver à un produit fini. Nous proposons tout pour améliorer le fonctionnement du pouvoir judiciaire et indépendance et pour nous attribuer dénomination procureur au commissaire du gouvernement. Définitivement. Nous pensons que changer nom commissaire gouvernement intéressant. Lors dit commissaire à l'exécutif, il va l'adorer comme ça. Tant qu'on essaye de grands pays, nous dit comme ça, André Léo, les procureurs de la République. Mais ce n'est pas non seulement pour nous changer, nous demandons tout. Il faut avoir un statut particulier pour les procureurs de la République. Qui est différent de statut du fonctionnaire public, parce que lui-même, il doit en pleine carrière, parce que lui-même, il a une position assez délicate, côté que lui a la merci
du pouvoir exécutif qui est capable de tic-tic-crac révoquer. Donc ça nous demande, c'est que faut bon plan de carrière, ça nous demande, c'est que yo gagne autonomie, indépendance pour yo exercer la justice comme il se doit, pour yo aller poursuivre et faire arrêter tout délinquant, tout le monde qui fait ça, pas ça, quel que soit couleur, quel que soit côté sorti, quel que soit pour son gros autobus ou son gros zouzoun, la justice est aveugle quand il s'agit de poursuivre celles et ceux qui ont enfreint la loi. Qu'est-ce qu'a nommé? Alors, nous d'accord, alors il y a deux tendances, n'a pas clair. Gon tendance minoritaire qui te dit, on rattache le CSPJ. Après discussion, nous, ça a un problème. Et puis nous gardons celui de l'autre pays. Nous disons, mais c'est pas un problème que c'est exécutif là qui nous mêle. Et c'est même pas un problème que les responsables de la politique pénale du gouvernement. Le problème, c'est le FOD. Pour ne pas FOD, dès lors que le plan de carrière, dès lors que le protection, dès lors que le statut, il y a une autonomie, même le exécutif là qui nous mêle, il n'y a pas aucun problème pour que j'en vois ça aux États-Unis, mon procureur qui a enquêté sur le président de la République, qui a enquêté sur un ministre, qui a enquêté sur le directeur général. Eh bien, je pense que pour nous arriver à jouer un pays ça que nous avons cherché, je pense que le procureur de la République là, c'est des éléments fondamentaux d'un système qui va redonner, estimer que un système judiciaire, c'est parce que vous pensez que si on a un problème, il y a des juges qui ne peuvent pas trancher, parce que le jugement va biaiser, parce qu'il a corrompu, et bien dès lors qu'on prend la main en justice, là, comme un pilier central de démocratie que nous avons construit, il faut regarder les questions pour que vous arrivez. Monsieur le président, toujours nommé, c'est le gouvernement toujours nommé, même si nous avons changé, et si il n'y a pas un mandat, vous pensez que le changement vrai, dans le cadre de l'agir, et par rapport à Samuel Arudia? Définitivement. S'il vous assure que vous ne pouvez pas révoquer le petit crack de par le statut qu'il aura et qu'on va lui définir. Un bon mandat, pas qu'à ça. Bon, mais c'est de toute façon, oui. Il est responsable de la politique pénale du gouvernement. Mm-hmm. Il est un officier de la justice qui travaille dans le système avec un mandat bien précis. Donc ça a lui-même pas gagné à sortir de là. Vous pensez que vous avez un fret pour Kalel? Non, mais c'est comme ça pour lier. C'est-à-dire que ça se passe comme ça dans tous les grands pays. En nos propres pays, tant que la France, lorsqu'il y a par exemple le parquet financier qui a été mis en place par le président François Hollande, mais qui est-ce qui pourrait faire enquête sous ministre Jérôme Cahuzac qui fait détournement de fonds, qui fait fraude fiscale? C'est le même parquet financier. C'est pas la même sociologie, député. Mais, oui, pas la même couture. Alors, dans ce cas, alors, mais au contraire, il y a une spécificité haïtienne. C'est clair. Ah, bah d'accord. Voilà quoi? Non. C'est un champion de réalité. Non, ou une particularité culturelle, mais pas une spécificité unique. Ça veut dire que, en quelque part, tous les peuples, toutes les nations, toutes les races, ils auront fonctionné dès lors que un système est en place. Si nous avons des systèmes, des lois, des institutions et surtout des sanctions pour les gens qui enfreignent la loi, moi-même, c'est Gignon Lendo, fais-moi confiance dans ce système dans la marche. Mm-hmm. Mais nous ne sommes pas d'accord sur ça. C'est une opinion. Oui, mais parce que là, en fait, c'est nous avons une réalité. Je comprends ce que je dis, oui. Une réalité. En Haïti, c'est plus difficile. Pour qui ça? Parce que nous avons culture de laisser aller, parce que nous n'avons pas de tradition dans le pays, côté que la justice est aveugle et pour tout le monde, côté que en même temps tout, il faut dire à la jeune, ou une réalité économique qui fait que dans la société haïtienne, ou bien des gens qui sont plus fragiles quand dans l'autre société que nous avons un minimum. C'est-à-dire plus facile pour acheter un juge, le plus facile pour acheter un mandat. Précarité. Précarité. Donc ça, il faut être clair sur lui. Mais il faut aller au-delà de la précarité parce qu'il faut arriver en situation tout que précarité, ça, vous mettez de côté. Comme le Brésil l'a fait. Lula, en 10 ans, a sorti 20 millions de Brésiliens de l'extrême pauvreté. Je pense que ici, je crois dans le pays, je crois dans la capacité, je crois dans la possibilité pour nous jouer un développement plus devant et puis pour nous capables de sortir de précarité. Ça, parce que tout autant que là, on met fait les meilleures lois, la meilleure constitution, les meilleures règles, l'homme, la femme, le sujet à la corruption et dès lors que vous faites, vous êtes capable de faire que le système ne va pas marcher. C'est clair, et si nous arrivons à créer richesse, c'est clair. Oubliez ça. Tout le bagage, il faut aller de pair. C'est clair. Alors, nous proposons tout pour que le juge de cassation, le juge d'appel, c'est le président qui nomme. Oui. Simplifier le système,
fait système dans marché, que justice dans marché, le parlement, l'exécutif et le législatif, co-dépositaire de la souveraineté nationale, indépendance du système judiciaire, renforcement du CSPJ, autonomie des juges pour qu'on capable bon pays cap marché. Question de découpage est extraterritorial, il dépend de l'importance démographique population haïtienne de l'extérieur. Bon, là où vient arriver dans qui ça nous gagne déjà coûte nous pour haïtiens qui vivent dehors, la diaspora. Et même penser que si gagne catégorie de haïtiens qui bénéficient des propositions amendement ça, ces amis nous qui vivent dans la diaspora. Qui ça n'est pour vous? Tout grand pile bagaille pour vous. On nous prend seulement deux bagailles. D'abord, n'a permettre que vous ayez propres députés en la chambre des députés qui peuvent représenter. Nous font découpage territorial, ça veut dire que un haïtien qui vit aux États-Unis capable pour aller voter pour un député qui peut venir siéger là sous bord mer pour aller défendre l'intérêt. Nous bien région États-Unis, un bon député qui représente haïtien aux États-Unis, un député qui représente haïtien Canada, un député qui représente haïtien République Dominicaine, un député qui représente haïtien en Europe. Nous venons tout rattacher l'Afrique et l'Asie, parce que pas grand pile haïtien là-dedans, mais c'est surtout en Europe qu'il y a un pile haïtien, à Paris, en Suisse, en Angleterre, etc. Et puis, nous avons une région que nous relions Amérique du Sud, bien entendu, qui vient rallier avec la Caraïbe et l'Amérique centrale, c'est-à-dire toute zone ça à côté de haïtien, il y a bien propre représentant dans le Parlement. Et nous proposons que mon seul sénateur, pour la question budgétaire, qui représente tout haïtien qui vivent dehors. Donc, ça, c'est une très grande avancée. Et nous souligner que tout pays qui présent et que toute diaspora abtan et que frère nous accès nous qui c'est les apatrides dans la République dominicaine abtan parce que loi ça c'est pas seulement pour diaspora qui vivent New York, Miami, Bahamas, Barbados, Saint-Domingue non et toute apatride que vous mettez dans la République dominicaine qui pas gain jodi a possibilité pour joindre papier d'identité parce qu'il y a pas de provision légale pour bayol et ben c'est pour yo me faire loi ça tout et loi ça que me présenter à ce Jionedo libre tout, qui ça pour faire pour renoncer à la nationalité? Je dis à un flou juridique, tout le monde a dit n'avoir jamais renoncé à sa nationalité. Est-ce que vous avez un monde qui a dit comment on monde renoncé à la nationalité? Jamais. Et bien, proposition de loi, ça que je fais, vient résoudre tout jamais le problème. Ça. Mais jusqu'à présent, elle a profité, félicité le président de la commission de justice, l'honorable Jean-Marie Forestal, député de Port-de-Paix, qui à la tête d'une commission qui a fait un bon travail ça. Et qui produit un rapport positif, qui m'a dit, regardez-moi là. Et tout le monde qui est intéressé dans la loi, ça a tout. Et qui bien, avec un député dans la commune Koto-Sotia, sensibiliser pour nous capables de voter la loi, ça. Parce qu'il y a une raison, c'est génial. Gros problème au niveau de la loi, dès lors que vous votez proposition de loi sur la nationalité haïtienne, que vous proposez, je pense que le pral en harmonie avec la constitution, nous, je pense que c'est un grand acquis pour la diaspora haïtienne. Exactement. Si on par exemple, l'élément, je dis, ah, l'élément de classement, par exemple, qu'elle fait Timoun l'autre bord. Maintenant, là où il y a Timoun, Timoun, effectivement, il y a un baptiste américain, il y a un français, il y a un canadien. Et puis, là, il y a décidé tout le baptiste haïtien. Mais c'est clair. À qui ça va le venir comme pièce, il va le déclarer Timoun. Et ça fait un pile là, c'est moi qui ai le baptiste haïtien, il a dit, on a fait ici. On a fait ici, oui. C'est pas un pile, presque tout. Ou quand on sort ce moment là, ou ce moment un plus gros problème qui gagne dans le pays. Et m'a dit, qui ça a dit. Ou parler de classe moyenne, on va le plus loin. On va se tromper. Au niveau du peuple, au niveau des classes moyennes, au niveau des élites, ou un pays qui a reproduit tête à l'étranger. Quel que soit le monde qui est enceinte aujourd'hui à la non-famille, il fait tout ça au capable de faire un vieux visa pour aller à côté pour aller accoucher l'autre bord de l'eau. Parce que vous estimez les petits qui fait dans l'autre pays, vous avez la petite la plus chance, vous va faire Haïti confiance encore. Est-ce qu'on a construit un pays côté tout petit pays à fait de yon? Est-ce que moi-même, Jéritard, député Pétionville que vous voyez dans le Parlement pour réfléchir pour être capable de faire des lois? Si moun kal fèt de yo, pat mwen de fèt de yo, kap tounan Haïti yo, fok yo ka servi peyi yo demain. C'est pour ça que je fais proposition de loi sur la nationalité. Ça. Et c'est pour ça que 9 commissaires en la commission spéciale sous amendement constitution fait proposition ça en la réforme qui pral gagner, en dan, n'da kapab du rapport ça que nous présenter et nous dit que définitivement et une fois pour toutes, en suspend à exclusion, en entrée dans l'intégration, pas de rien de Haïti. Haïtien de yon, Haïtien ici, même Haïtien oui. Parce que la 20 à 25 ans, il y a un peu de timoun qui va aller au l'autre baptiste. Mais si nous ne pouvons pas changer loi avec constitution, nous ne pas réaliser ça. Mais pays a crasé, pays a disparu. Il y a des gens qui disent que le pays ne meurt pas. Ce n'est pas vrai. Sous mon pays qui
de plus en plus au niveau de toutes ces couches sociales se reproduire à l'étranger. Le pays a disparu. Oui. Haïti n'a pas qu'à disparaître. Ce sont trois belles pays qui ont trois belles avenirs en occupant. Pour changer le nom, c'est EPA. Est-ce que vous voulez changer le nom de gain? Et pas non seulement changer. Non, important, oui. Parce que Haïti, c'est le seul pays qu'on entendait en conseil électoral, un modèle qui marquait provisoire. Pas de gain, ça. Bon, d'ailleurs, on va aller plus loin. Ça, c'est encore sur les gens de nous faire. Non, mais même permanent. Même si on a un provisoire, on va aller permanent. Alors, si on a un provisoire, on va mettre permanent. Mais pour qui ça va mettre permanent? Il n'y a pas de permanent. Toute institution doit être permanente. Donc, son conseil électoral, nous décidons de mettre national d'elle. Nous avons mis le conseil électoral permanent que la Constitution prévoit, nous allons mettre conseil électoral national permanent par une place là. Mais ce n'est pas ça seulement à faire. Nous proposons pour CEPA, nous voulons complètement du tout au tout. Ça veut dire qui ça? Nous avons mis scindé dans deux parties. D'abord, la partie organisationnelle. Il faut que le CEP puisse organiser les élections sur toute l'étendue du territoire. C'est fonction et c'est ça pour le faire, il faut le faire bien. Il faut l'organiser pour le faire bien. Mais il n'y a pas qu'à juger parti. Même CEP, ça, qu'un candidat estime que le victime de l'IA, et pas CEP, ça, qu'il le juger, il prend la contestation. Faut-il bien que nous retirions dans la juridiction CEPA, dans le mener de l'autre côté. Nous-mêmes, nous proposer cassation. Mais attention, nous, honnêtes, nous disons qu'il y a des secteurs qui réservé sous capacité cassation pour le fond plus bon travail. Parce que j'en structuré, parce que j'ai un problème parle. Donc, notre travail est son troisième option et nous inviter tout juriste, tout avocat, tout étudiant qui est intéressé dans la question ça, pour nous dire, écris-nous, fais-nous des suggestions, mandez-nous des rencontres, parce que sur, nous sommes pas capables de dire, l'organe qui sera arrêté des revendications et des contestations des victimes ou de ceux et celles qui s'estiment victimes du CEP, nous pouvons prendre une décision définitive. Alors là, c'est Conseil électoral et national. Et nous croyons que c'est la Cour de cassation qui a dû statuer les gagnants et ces contestations. Ces propositions nous faites, sauf que nous étions ouverts parce que ça a beaucoup de définitive. Maintenant, est-ce que nous va passer tout, nous va moyen, mécanisme pour choisir nous va lancer un. Nous d'accord, c'est trois pouvoirs pour faire. Nous quittons les trois pouvoirs, forme Zou, moi-même personnellement, je prends l'autre formule, même des minoritaires. Donc, et, en fait, sur la nomination du CEP, nous avons quitté Jean-Lia. Parce que là, il y a un petit quoi, format et constitution de cette là, avant qu'il y ait un mandat, puis. Position PAM. Mais malheureusement, des minoritaires dans la société. Sauf que si nous sommes à travers tous les tables qui parlent gagner pendant les 6 mois et 1 an qui nous reste avant l'amendement, la société a décidé différemment. Je pense que l'Assemblée parlementaire, l'Assemblée nationale, là, députés et sénateurs qui voter, sont capables de sensibles à ça. Mais nous connaissons que nos commissions, dès lors que nous avons une majorité et qui prend décision, et bien nous sommes obligés de plier nous à la décision majoritaire. Malheureusement, au Parlement, c'est la dictature du nombre. Là, c'est le travail commission, chambre députée. La chambre députée n'est pas le Parlement. Non. Qui chasse le mien pour que ce pas travail par nous, le travail par nous, et puis c'est là pas rentrer là-dedans. Ben c'est minime. Parce que je dis très franchement, les n'attendent des président Joseph Lambert qui t'a fait nous courtoisie, vini, répondre à l'invitation pour te participer dans la cérémonie restitution rapport, il était très clair. D'abord, les féliciter commission pour le travail là. Parce que ce n'est pas juste ça que je vais mettre le rapport, je vais le depuis longtemps et les garder avec tout, pas capable de conseiller et cabinet. Deuxièmement, en pile dans ça que nous fait comme décision, que nous prenons comme décision en la commission, il y a des fois qu'on consulte avec certains sénateurs qui ont expérience et avec lesquels nous parlons, parce que nous-mêmes nous faisons entrer dans le Parlement, moi-même personnellement, même après 3 ans, c'est chaque jour que je vais apprendre comment fonctionnement et qui problème qui gagne, etc. Donc, nous estimons que, sous base de ça, président Lambert dit, a gagné une appropriation du rapport de la Chambre des députés par le Sénat, quitte à ce que nous prenons gagner, puis devant des rencontres officieuses, parce qu'il faut une clé son bagage. Ce n'est pas la commission bicamérale qui travaille son proposition d'amendement pour le Parlement. La Constitution offre aux deux corps, le Sénat d'un côté et la Chambre des députés de l'autre, la prérogative de faire eux-mêmes des propositions d'amendement. Donc, de façon officieuse et par souci patriotique, nous pourrions chiter ensemble pour nous être si Parlement capable de parler d'une seule voix. Et nous étions persuadés que dans pas longtemps, nous pourrions avoir un bel exemple de collaboration patriotique et citoyenne pour nous offrir pays à une seule position du Parlement vis-à-vis des amendements. Nous avons dit, travail ça.
comité exécutif état général, les lap travaillent sous gouvernance, pas gain l'autre bail pour le faire que pour l'approprier le lit et puis pour nous faire ça avec compliment. Nous dit merci que t'es venu, nous dit tout le monde qui était là yo merci. Nous t'ai ouais en pile personnalité, madame Mélanie Hippolyte Maniga, nous t'ai ouais Bernagous, nous t'ai ouais Jacques Lumac, nous t'ai ouais en pile membre de Sanouélé, le comité scientifique de la chaire Louis-Joseph Janvier sur le constitutionnalisme haïtien qui était présent et en pile leader parti politique, en pile leader organisation populaire, en pile leader étudiant. Vous connaissez que nous avons plusieurs étudiants qui sont là tout parce que nous avons travaillé pour l'avenir et nous-mêmes nous voulons intéresser, intégrer la jeunesse là. Ça à tout, c'est le travail de la jeunesse. Nous demandons pour être vigilants, pour être suivre ça n'a pas fait. Est-ce que là tout Sénat, par ta caractérologie, font notre commission pour le travail et sous appartement et présenter rapport par tout, non? Sénat a bon l'autre commission et cap travail sur lui, donc pas aucun problème. C'est mieux que une commission pour que justement le plus facile pour que commission yo rencontre avec Panouan et puis ils font harmonisation et puis nous fait ça le relé bouc ceinture. Mais il va pas obligé à le faire même travail que de faire dans ça. Man, nèg yo fait à tout l'esprit yo. Yo va égarer, yo va faire des travail mon cher. Il y a prend travail nous si gagne des bagages que yo montre nous ou bien des bagages pas toi. Pour nous ajouter, n'a pas ajouté. Si il y a des bagages qui te mettent tout bon petit problème là-dedans, on a retiré toujours dans le souci de se mettre ensemble pour servir Haïti. Parce que bon problème dans le pays ça. Et puis c'est pour détruire. Tout le monde est d'accord pour nous mettre ensemble. Et puis c'est pour nous construire. C'est difficile pour nous coller tête ensemble. On ne pouvait que nous faire un bagage. Wilhelm Maniga, nous font plaidoyer pour une nouvelle constitution. Vous avez vu ce Jacques Lima tout parler de ça. Est-ce qu'on estime que de simples amendements capables de modifier totalement la constitution que nous avons dit là? Oui. Le même régime politique là, vous mettez la question. Oui. Oui. Ça fait dire ça. Et m'a dit pour qui ça? Pour deux raisons. La première, c'est que dès lors qu'on n'a pas manié le caractère républicain et démocratique de l'État, pour capable de changer le régime là. Naturellement. Souvenez un régime monarchique et pour décider que Serginho Lindor c'est l'empereur de d'Haïti. Il ne va pas marcher. Il ne va pas accepter le dos. Parce qu'au moins, il y a un caractère républicain et démocratique. Mais dès lors qu'on était, c'est passé par amendement. Parce que la loi a tracé chemin pour nous. Pour qui ça, Serginho Lindor? Tout le monde qui est pragmatique. Je ne vais pas rien contre Mme Maniga. D'ailleurs, il fait un pile. D'ailleurs, tout ça que nous mettons dans l'amendement, l'imandé ou la nouvelle constitution. Sauf que dit le carré fait la travail en assemblée constituante. Ça nous dit nous-mêmes. Pour une nouvelle constitution, il faut gagner un environnement qui propice. Ça veut dire qu'après le tremblement de terre, là, on te cas, on va qu'on assemblée constituante. Même j'en ai fait après 30 ans du Valais. Et peut-être qu'après un cyclone, un cataclysme naturel, une guerre civile, on est capable de faire ça. Mais nos environnements aujourd'hui qui délétère. Côté gain des situations économiques et sociales extrêmement difficiles. Très polarisé. Très polarisé, ça veut dire que vous avez gardé des discussions. Même pour faire comité exécutif état général, regardez qui difficulté président de la République a gagné. Même pour réunir les gens pour jouer un consensus sur un minimum de choses. Même pour nommer un premier ministre d'ouverture aujourd'hui, vous avez gardé toutes ces semaines, nous ne pouvons pas arriver à jouer dans rien. Pas de façon aujourd'hui pour que l'exécutif s'avine en assemblée constituante pour le dire. Que l'on vit font bagarre qui bagarre force côté. La automatiquement taxé de suspicion, vous connaissez ce qu'on va le faire? Non, chercher pour la ligne pour fromage, nous-mêmes, nous ne pouvons pas chercher petite sans papa, sans besoin, c'est heureuse couche. La loi dit comment pour nous passer, commission ça a montré que le bagarre force côté, nous dit, bah nous yon crédit, à qui yon chance, mettez main avec nous pour que à travers amendement, nous arrivions à une nouvelle constitution, mais une nouvelle constitution qui rééquilibre les pouvoirs. Qui peut mettre nos pays à fonctionner. Alors, nous allons refaire l'émission de M. Tadieu. Il y a un qui croit me dire là, et pendant 30 dernières années, ça, les questions de mauvaise gouvernance sont constantes. Les amis ont parlé lui-même de son constitution, son source d'instabilité. Oui, il te dit ça. Non, si on compte nous faire, l'échange, nous dégâts que nous finalement, la responsabilité, c'est à qui ça? C'est à système, non, c'est à la constitution, mais à nous, les leaders, que ce soit au niveau du palais, au niveau du parlement, au niveau du pouvoir judiciaire, qui la cause que. Mauvaise gouvernance, c'est lui-même qui s'en constate, je veux dire, à l'intérieur. Les deux. Il faut nous clair son bagage. D'abord, nos leaders ont échoué. Aujourd'hui, si après 31 ans, nous disons qu'ils font l'autre route, qu'ils font casser ce système-là, que ne va pas marcher, c'est que nos leaders ont échoué. Les leaders du privé comme les leaders du public. Il y a un constat d'échec de ce que nous appelons les élites de ce pays. Pas un maintenant ça. En même temps aussi,
peut-être qu'il y a des travers culturels qui fait que nous toujours n'en fait qu'aucun, nous dit qu'on passe, plutôt nous l'aide nous là, nous chercher contourner le système là, au lieu d'entrer dans le système là, souvent qu'on voit des fois, nous discipliner les nos États-Unis, nous pas faire double ligne dans le trafic, nous payer taxes nous respecter lumière rouge, lumière verte, et puis ici nous pas faire. Capable de problème culturel. Mais en même temps aussi, il y a un réel problème dans la constitution que nous avons adoptée, parce qu'elle a été adoptée dans une ambiance d'euphorie et dans une ambiance qui a oublié que pour avoir une bonne constitution, il faut un équilibre des pouvoirs pour assurer la pérennité de l'État, la justice sociale, le développement économique et le progrès pour tous les Haïtiens. Après mardi, puis ça, la prochaine étape là, est député tendu. La prochaine étape là, c'est continuer, convaincre société à leader, pays à que rapport commission spéciale soit amendement constitution, son rapport qui pague une force côté, 9 membres commission ça, nous avons souhaité que pays accompagne au fond bon rapport et n'a quitté pendant la cité nous pour nous dire bravo, merci et félicitations. Comme président de la commission, je suis fier que vous avez collaboré avec moi, député Louis-Marie Bonhomme, Ronald Etienne, Jacques-Michel Saint-Louis, Myriam Amilcar, Daniel Létan, Raymond Rival, avec Price Cyprien, c'est eux-mêmes qui font aucune chaîne de travail ça. Et nous souhaitons que pendant les 3 à 6 mois qui vont suivre, côté de la tournée nationale de restitution en province, nous avons un pile de monde accueilli nous, discuter avec nous et dire ça, vous pensez de ça nous faire. Et l'autre chose, c'est que d'ici septembre 2019, que sont pour les gens ils votent au niveau de l'Assemblée nationale. On prend rendez-vous. On prend rendez-vous en septembre, en octobre 2019 pour nous venir là. Et puis il est fini pour bon moment pour dire député Tadio réussi parce que l'amendement a passé au hôtel. Rendez-vous en octobre 2019. Bon, on va plus la foi. Et donc on est sans la foi dans son pays, il n'y a pas d'avenir. Et nous sommes qui connaissent le pays, mais nous connaissons la vie. Bon, avant que tu ailles, un petit mot sur notre ancien premier ministre, qui a bien vu là-bas, il fait des classes musicales générales, ou même qui parle à député, ou même tout en contact avec le sénateur, qui cherche rien pour ce qui est passé. Bon, moi, regardez, dans la discussion que je fais avec plusieurs blocs politiques, moi, je vois qu'il y a des prédispositions favorables. Et nous, parce que je dis à ça qui est important, c'est venir pour le venir. D'abord, on a besoin de cabinet. Moi-même, personnellement, je vais décider en fonction du cabinet et du gouvernement de son énoncé de politique générale. Même tu es capable de dire de façon et a priori, nous capables de dire que feuille de route que bloc politique nous a été mettée, c'est-à-dire que de choisir une personnalité de compromis qui peut être un élément et qui peut faire le dialogue, un homme de passerelle et qui ne soit pas soumis à l'exécutif, mais qui peut inspirer confiance à tous les Haïtiens. Nous pensons que là, nous ballons minimum crédit, d'autant plus que le sorti dans la classe politique là, nous pensons qu'il faut nous et solidifier parti, nous ballons et un crédit avec une chance, mais sans pas jamais oublier que nous allons juger sous performance que le bras baillo, si toutefois énoncé politique générale lit, ratifié. Donc le plus tôt, le mieux. Là, qui vous en bas, groupe des parlementaires à l'écoute du peuple. Président, vous comptez déjà? Qui est-ce? Président, est-ce que vous rencontrez le groupe ça déjà bloqué? Oui, il rencontre. Et sur ce qui ça malheureusement, je me bats là parce que je me suis préparé. Mais qui. Non, nous rencontrons le bloc, c'est à des fins de consultation. Donc c'est des bagages tout à fait protocolaires, peut-être que le président a demandé, peut-être par exemple, solidarité bloc là, mais bloc là, arrêté son grand principe. Le principe là, c'est que nous avons tant de formation au gouvernement. Et le principe, c'est que nous avons énoncé politique générale là. Pour nous, ça premier ministre désigné à Genéja Kouti pour pays, laissez-nous décider si nous avons confiance nous ou pas. Vous n'avez pas de gouvernement? Non, pas de bagage comme ça. Tout autant que moi-même, nous, bloc Jérita, nous ne pouvons pas participer. Bah. Alors imaginons, moi-même, comme président de la commission spéciale, qui travaille pour nous changer les bagages, et puis nous avons entré dans le système côté de bourrer les gens comme ministre pour venir régler les problèmes pas nous et pas les problèmes pays. Si nous avons fait ça, nous avons arrêté. Merci à vous, Jérita, parce que vous êtes disponible pour nous matin. Merci, Serginho, un plaisir pour me rencontrer, pour me parler à vous et puis pour me parler avec tous les téléspectateurs de l'international. Respect. Voilà, notre invité soit l'honorable député de Pétionville. J'ai dit adieu, nous sommes tournés sous cérémonie mardi avec présentation très recommandation. Et puis, regardez comment ça y est pour le Parlement par rapport à choix pour le ministre nommé Jean Issa. Et puis, prochaine étape qui s'est doyé et déclaration de politique générale là qui chasse. Merci à rien pour jouer une bénédiction parlementaire. Voilà, merci tout le monde. Tout avec moi en direct. Nous souhaitons passer une très bonne journée. Si c'est un rediffusion, bon après-midi, bonne soirée. À bientôt.